Salut, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Amiga, sur un jeu qui ne pense pas qu'il soit vraiment connu, c'est juste que moi j'en garde un bon souvenir par rapport à des parties multijoueurs. Donc quand un ami venait à la maison, on pouvait y jouer à deux et on s'amusait bien. Alors, ce jeu est sorti en 89. Je me suis renseigné juste avant la vidéo parce que je vous montrerai quelque chose après et ça me paraissait un peu bizarre pour 89. Enfin, c'est tout. On remarquera au passage que là on voit une Porsche, une belle Porsche rouge qui porte le numéro 62, ce qui donne l'impression qu'on va conduire une Porsche. Voilà, donc j'en profite quand même pour faire ma petite capture d'écran pour mon miniature. Et maintenant on va passer au jeu. Voilà, donc le jeu nous laisse le choix de soit jouer contre un ami, soit jouer contre l'IA, soit de jouer via Internet en 89. Tu dis ça, c'est quand même pas mal, hein? Donc en 89, j'avais pile 10 ans. J'avais pas Internet à cette époque-là, non, pas encore. Ça devait pas être top top, hein? C'était par les lignes téléphoniques, là, enfin bof. Ben on va jouer contre l'IA, hein? On n'a pas le choix, je suis tout seul. Alors est-ce qu'on veut lire les instructions? Non. On remarquera quand même dès le départ, hein, on le voit pas encore hein, parce que c'est un écran gris, que le jeu était clairement prévu pour jouer à deux, puisque même quand on joue tout seul, on joue sur un demi-écran. Enfin voilà. Donc on remarquera notre magnifique Porsche rouge qui ressemble étrangement à une Formule 1 mais avec des pneus crantés, voilà. Et ah là il y a un train. Hop, les enfants. Non, 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 non. Maintenant! Voilà, donc c'est une course, hein, enfin il faut. Je me suis crashé. Il faut aller au bout il y a une petite map au milieu là, hein. Il faut aller au bout. Voilà, il y a des armes, il y a la possibilité de tuer des gens. Sauf que si on tue trop de gens, eh bien la police intervient. Et après on a des ennuis parce qu'ils nous lâchent pas. Là j'ai des grenades. Je sais pas si je fais bien de m'en servir, mais je m'en sers. Hein. Ah voilà la police, je le savais, j'arrive pas. Et eux, ils vont bien nous faire chier. On va essayer de les lâcher. Je sais pas si c'est possible. Voilà, je me suis encore crashé. Donc à ce niveau-là, maintenant, on est tranquille avec la police, parce que dès qu'on se crache, ils nous lâchent. Oui, on ricoche un peu quand on touche. On s'est récupéré, c'est juste que là, je fais pas beaucoup d'efforts. Ah! Trop tard. Voilà, avec les pneus, on va plus vite. On freine plus vite aussi. Là, moi, je dépose de l'huile sur la route. C'est normal. C'est comme ça. Ouais, on peut écraser les piétons. C'est une sorte de GTA en monde fermé. Ce truc a rien à voir du tout. Ah! Oui, je me suis encore crashé. Et alors? C'est des choses qui arrivent. Je suis même pas encore à la moitié du circuit. Hein. C'est pas évident, évident. Il y a beaucoup de trains et ils sont pas sympas. Voilà, les pneus, ça c'est cool. Allez! Je préfère laisser les autres déraper plutôt que moi. Là, j'ai pris les grenades. Non, j'ai repris de l'huile. Non, 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 garde le contrôle. Non, mais c'est game over. Bon, est-ce qu'on retente? Allez, on fait un petit new game. Allez, c'est reparti. À fond les ballons! Il y a de moins! Ah, dommage pour les pneus. Voilà, là j'ai les pneus. Évidemment, j'ai les pneus boum. Allez, arrêtez de m'emmerder! Essayez de pas trop les faire chier, peut-être qu'ils me feront moins chier aussi. C'est pas mal ça. Alors c'est pas foufou, c'est pas hyper captivant, mais je vous garantis que quand on est à deux et qu'on est tous les deux en train de se tirer dessus, c'est un petit peu plus fun. Ouais.
Il y a beaucoup de petites taches rouges hein, sur le chemin, je sais pas ce que c'est. Hop, une de plus. Les gens crient bizarrement. Alors, ils crient. Oh, papa. Ils crient fort. Voilà, j'aurais pas dû, je le savais. Je le savais, j'ai pété un câble, j'ai tiré un missile. Maintenant, la police m'embête. Et il va pas, elle va pas me lâcher. Mais vite, vite, vite. Allez! Elle m'a lâché? Elle m'a lâché? Oh, ça m'étonne. Je m'en sors pas si mal. Je trouve qu'on avance pas mal. Ah, dommage pour les pneus. Le méchant. Je voulais dire le méchant. C'est ça. Oh! Dis-moi pas que c'est pas vrai! Vive les pneus, ça marche bien. Qu'est-ce qui se passe? Le temps? Le temps. Faut déjà aller vite, hein. Enfin bon, on a vu. Franchement, le jeu est vraiment sympa, mais plus contre un pote, quoi. Voilà, avec un ami, c'est mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt sur un prochain jeu. Salut!